Bonjour à tous et à toutes, je suis Raelius. Une bonne année en retard de quelques jours, même si je l'avais dit dans la vidéo information de ce mois de janvier. Et donc du coup, nous allons commencer cette année et Benjamin Hunter, Ace Attorney, My Siege Wharf, tous investigations avec le début de la troisième affaire de ce cher Benjamin, la volte-face kidnappée. Alors, précision vite fait, la ROM que j'avais avait été patchée sur cet épisode pas très bien. Du coup, j'ai dû rechercher un nouveau patch. Cette fois, c'est bon. Si j'y pense, je le mettrai en description. Ou je le mettrai en description de la playlist. Bref, la volte-face kidnappée, et c'est parti! Et donc, si vous vous souvenez bien, à la fin de l'affaire numéro 2, Benjamin Hunter a été appelé par quelqu'un qui a besoin de son aide, car il se passerait quelque chose avec son fils. Ah mais c'est le lutin bleu! Oui! Il est là, la mascotte de la police! C'est le proto-lutin enchanté de me rencontrer! Safari photo! Mais je ne comprends pas! D'ailleurs, on peut voir que Benjamin a eu l'extrême bonne idée d'amener la rançon, sans doute de l'enlèvement, dans cette superbe valise fluo, moche, dégueulasse, designée par notre hôtesse de l'air professionnelle, Maïd Essuyer. Grande personne. Benjamin Hunter à prendre des photos? Bah bien sûr. Oh, comme c'est dommage. Oh. Oh oui, ça je m'en souviens. Et qui êtes-vous, volé par Richard Bachelet? Voilà, vu que c'est un modulateur de voix, je vais essayer de faire une voix dégueulasse, digne de Maurice Sarfati. Sachant que j'ai coupé au moment où c'est parti en couille dans le patch, légèrement plus loin. Et vous êtes un flic? Non, je suis un procureur. Et je ne comprends pas. Personne ne comprend, évidemment, toujours. Et je veux, et dans ces cas, apporter l'argent à la reine. Alors, la reine en un seul mot, évidemment. Oui, détective. Donc, nous sommes au parc. Parc d'attractions Gatewater et un enfant avec son père ne se demande absolument pas ce qu'un procureur comme Benjamin Hunter fait avec une valise aussi moche, évidemment. Parce que Benjamin Hunter c'est quand même un mec connu. Notamment pour avoir été inculpé pour le meurtre d'une personne qu'il n'a pas fait. Et maintenant dirigez-vous vers la maison hantée. Et c'est moi qui décide, vous n'avez pas vraiment le choix, mon brave. En tout cas, magnifique scène. Donc la reine, en gros, c'est pour les concerts, je suppose. Entrez à l'intérieur. Waouh, ça fait très très peur.
Croix à croix. Waouh. Alors ça, moi, je dis, c'est une très très belle image, très belle truc. On voit un petit peu l'aura de Hunter, enfin la lumière sur Hunter qui ressort un petit peu. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez. Et voilà, elle passait par ses portes maintenant. En tout cas, bonnes images, moi j'aime beaucoup. Elle laissait la rançon ici et partait. Allez, elle partait maintenant. Ah, il a fait clonk. Ok, oui. Oh, c'est dommage. Hunter qui bouge pas. Et pourtant, le lutin était vivant. Paf la pastèque. Ça fait peur. Plus tard, quelque part, sans doute ailleurs. Mon Dieu, qui me parle ? Alors juste au bruit, est-ce qu'il pleut? On entend un peu de pluie. Mon Dieu, mais où suis-je? Qu'est-ce que c'est que cette bâche? Bon. On va dire que cette affaire de rançon est devenue épineux sur un terrain glissant. Oui, je pense aussi. Souvenez-vous, il y a un moment. Richard Vachalet, grosse blague évidemment sur le nom de famille du groupe Vachalet qui pompe énormément d'argent, je suis sûr. Fate! Je dois m'en aller. Et je peux pas. Mon Dieu, qui est là? Oh. Mais qui es-tu? T'as une clé dans les cheveux. Tu as une clé dans les cheveux. Enlève ça, c'est moche. Mais qui es-tu? Je cherche quelque chose. Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Insérez le grave-le sur le pénis. Voilà. Mets un pouce bleu pour cette dégueulasse. Ah oui, je suis... Qui es-tu? Oh mon Dieu, un discours. Yet et Garazu, elle est quand même mort. Tu dis receveur dont on m'a parlé à la fin de l'épisode 1. Kefaraday. Waouh. Oh mon Dieu. Je viens de me faire trigger par cette blague digne des visiteurs. Oh mon Dieu. Je suis... stupéfait. S'il te plaît. Bah écoute, avec ce que tu viens de me dire, je peux te mettre en prison. Oscar, vite. Yay, je suis libre.
D'accord. Pourquoi? Oui, tu m'étonnes. Alors, tu as parlé du grand maître voleur. Ah bah oui. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore volé. Ouais, surtout ça. Ah bon? Ah bon? Ah bah oui, bah non en fait. Bah évidemment, hein, parce que... Ah bah oui, pas encore. Bah oui, mais... Tu me dis des trucs qui ne sont pas du tout fiables pour ta sécurité. Alors... Mais dès qu'elle vole, ah, je peux te jure que je vais te trigger à mes directs. Est-ce que tu es le véritable voleur, celui qui vole sans laisser aucune trace? Ah bah oui, évidemment. Tu es le successeur générique, évidemment. Bon, on peut écouter. Waouh! Incroyable! Oh, hein! Et calmez-vous, calme-toi! Ah, bah évidemment! Une seule chose! Oui! Vas-y! Trouve une sortie si tu veux! Impressionne-moi! Vas-y. Ah bah oui, évidemment. Je suis Benjamin, je suis Miles Edgeworth. D'accord. Je ne te le dire en fait, mais c'est pas grave. Oublie. Alors, oui, vas-y, je te suis. C'est une blague. Non, mais c'est vraiment en question. D'accord, top, top, oui. Est-ce que tu... Non. Voilà, parce que... Est-ce que tu es idiote ou est-ce que tu n'as pas du tout pensé à une solution... Ouais, les erreurs de calcul. À quoi tu sers? Début de l'enquête pour sortir de la salle de confinement. Il y a une tête! Je dirais que c'est un... Le lutin voyou. Tu lui as donné un nom, en fait. Il y a une tête de lutin voyou. Waouh! Et là, il y a un truc par terre. Comment ça? Mais je ne le savais. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Ah, c'est. Une grosse affaire photo! Bah non! Oh! Ah bon? Pourquoi? Oh! Vraiment? Oh super, j'ai un papier. Et là nous avons des pots de peinture. Ouais. D'accord. Si, oui, bien sûr. Ouais, on est dans un bâtiment. Elle réfléchit quand même vite. Alors, il y a une armoire. Je ne sais pas.
Mais justement, ça doit être spectaculaire, c'est la condition. Non, j'utilise un cerveau en fait. Je te regarde. C'est con la vie. J'en sais rien, mais c'est bête. Oh, une certaine démarche chez pied. Ça va être... C'est donc logique. Voilà, il y a des caisses d'arrangement, ça se voit. Mais t'as un rose. Mais pourquoi? Non, parce que je... J'étais parti ailleurs. Waouh. Le proto-lutin, le premier lutin, putain, il a l'air défoncé. Le lutin voyou qui se promène avec une arme et une ceinture de munitions. C'est un peu mal vu. Le lutin rose. Elle porte son irremplaçable ruban, son nœud rose. Elle est rose en fait, oui, donc c'est bon. Et le lutin bleu allié de justice qui préserve la paix. Qui a juste deux ceintures. C'est pas mal niveau déguisement. On est sur du gros travail. Ah, et savoir que le proto-lutin est... un poil plus maigre, j'ai l'impression, que les autres. Ça me sera vachement utile pour photographier des lutins. Mais il y a quelque chose que je voudrais observer. Ça semble logique. Benjamin, c'est logique ce que tu viens de dire. Ah bah oui, sort tout ça. Ah, ça explique des choses. C'est normal. Vu comme ça, en termes d'argent, hein, on peut le dire. Waouh, des doubles loopings. C'est fou. Alors, je veux voir ça. Ouais. 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 Alors, moi perso, je vois un énorme ruban rose en fait. Voilà, ça devait pas être assez évident. Alors on a des marques. Je sais pas si vous voulez. Ah, ah ici. Non, bon, on va là-bas. C'est le lutin. Ouah, le lutin bleu. Mais pourquoi? Ouais, c'est réducteur. C'est ultra réducteur ce que tu viens de dire. Bon là il y a des clés, hein. Vous les avez vus. Moi aussi je les vois. C'est une clé. Waouh. Elle m'impressionne. Bon. Mettons qu'il n'y a rien, c'est l'heure de réfléchir. Il y a des casiers. Casiers qui sont scellés. Ainsi que les costumes. Et cette petite clé. Peut-être qu'elle doit ouvrir. Et si cette petite clé ouvrait des casiers? Oh. Et ben en fait non. Lol. Peut-être que si on mettait des costumes... Non, on va pas mettre des costumes sur des... Des costumes sur les casiers. Lol. Peut-être que cette clé ouvre la porte. Non. Présenter. Bouton présenter, c'est le X. D'accord. Non, je peux regarder la clé, s'il te plaît. Enfin, pas la clé.
Voilà, examinez. Comment puis-je sortir? Ah, c'est toute la question que je me pose. Je suis sûr que c'est une histoire de clé. Ça, c'est quoi, là? Non, pas ça. Ça, non, je peux pas regarder ça. Peut-être que si je me déguisais. Bon. Waouh! Vas-y, je te regarde! Je te suis du regard. Je suis de tout cœur avec toi. Mais pas trop, faut pas se foutre de ma gueule. Waouh! Ouais, c'est beau. Bon. Qu'est-ce que j'ai pas vérifié? Voyons, les pots de peinture, ok. Bon. Voyons, examinons. Wow. Non, pas l'épreuve. Ouais. Je sais pas quoi faire. Pourquoi j'ai une brochure? Ah ouais, ok. Oui, non, c'est normal. Non. Pas ici. Pas ici. Non plus. Bon. Si je demandais l'aide de K. Non. Je vais présenter des trucs. On va dire que non, alors. On va donc dire que non. Mais voilà, piégé. Ah, mais qu'est-ce que c'est? J'avais pas vu le téléphone! LOL. MDR, débarre. Petit téléphone. Oui, je pensais que j'avais pas réussi. Trululululu. Allô? Oui, je vais bien. Je viens de perdre au moins 5 minutes à essayer de trouver un truc alors que... non, j'ai pas réussi. Bien joué, Bou. Yeah. Oui. Allô? Oh mon Dieu, c'est un personnage. Je suis l'agent Shin Long Lang d'Interpol. Oh, salut Interpol. Oui, par notre cher ami commune Francisca, n'est-ce pas, hein?
Oui, ça se tient. Ah bon? Et depuis quand? Non, ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Non, c'est une évidence. J'ai rien compris de ce que tu veux dire. Mais c'est la police qui m'a... Oh là là! Ah bon? Bah oui. Ça c'est une menace. Hein, c'est très clairement une menace. Ah bah j'ai plus de batterie. Zut alors. Oui, sortons. Ouais. Bon, eh ben, ma vie c'est de la merde. Ah, super, un élément de discussion sur l'enlèvement, évidemment. Pas sur autre chose, sur comment sortir. Waouh, incroyable. Ils étaient plusieurs. Deux. Waouh. Il est parti, évidemment. Ouvrons la porte. Alors, regardons. Ah, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Incroyable, mais où sont-ils allés? Qu'est-ce que c'est ce gros trou avec un bout d'échelle? C'est incroyable. Ah ouais, ils ont creusé avec leurs propres mains. Oh, une entrée secrète. Oh, on va s'amuser, on va faire de l'urbex. C'est quoi ça? Un poteau. J'en sais rien, mais je ne sais pas. Et là, c'est une caisse, et là, il y a une porte. Ouais. Yes. Vite. Et donc du coup, il faut enlever cette bâche. Ou alors, faut voir ses casiers. Non, ça, tu me l'as déjà fait. Bon, dans ce cas, la puissance de mon cerveau va nous aider. Ah, voyons. Cette trappe au sol. Non. Non, j'ai pas idée. Oh, elle est belle la poutre. Superbe. Mon dieu, mais cette poutre! Il faudrait l'escalader. Et ça, je ne l'ai pas vu parce que ça n'est pas du tout visionnable. Yeah! Vas-y, Kay, je te regarde. L'aile. Évidemment! MDR. Non mais tu serais capable. Mais cela me fait penser. Ce potal ressemble beaucoup à ce qui était derrière. Et la trappe au sol aussi. Peut-être sont-ils connecteurs. Il est génie. Non, c'est pas de ça. Je te parle pas de ça.
Et oui, il est là pour retirer ou tenir quelque chose. Sans doute est-elle cachée derrière cette bâche énorme. Absolument pas discrète. Ouais, ouais, une trappe. Ouah, ils ont perdu 20 minutes. Waouh. Et donc, voilà. Et donc, voyons cette trappe. Mon cher Hunter, si tu étais un petit génie, tu aurais sans doute pu réfléchir une seconde et savoir que la clé que nous avons trouvée peut-elle servir à ouvrir cette porte? Oui, Hunter. C'est possible. Tu vas devoir utiliser la clé. Ah, mais c'est toi qui l'avais en fait. C'est ennuyant. Ne rends pas ça plus ennuyant que ça, s'il te plaît. Waouh! Et d'accord. Et elle a viré l'échelle. Ha! Drôle! Waouh! C'est incroyable! Eh ben écoute, une échelle amovible. Cette échelle était amovible, mais... Et si l'on mettait cette échelle sur les casiers? Waouh! On va prendre l'échelle. Quelque part, oui. Ou entre oui et non. Je sais pas trop. J'ai envie de te dire que ta collerie était sympathique. Oh, regardez, si vous aimez bien. Regardez Hunter qui bouge son doigt. C'est magnifique. Waouh, c'était intense. Mais voyons. Eh oui, c'est moi. Et où? Bonjour, il y a beaucoup de monde. Ah, il y a un chat. Il y a un petit chat. Je sais pas ce qui est stylé entre Hunter et Kikis. Oui, bonjour, qui est-ce? Ah, sac à merde, bonjour. Idiot. C'est Interpol. Laisse-moi deviner, c'est Interpol. C'est un... C'est la... What? Ah, en noir, 1, 2, oui. Ouais, alors, il y a un homme, il n'est pas bien policier, je tiens à le dire. Waouh! Tu es... Waouh, tu es tellement philosophique, c'est beau. Tu es l'agent sac à merde, celui qui m'a
dit que j'étais inutile. Je vais te faire du mal. Quand ça claque des doigts. D'accord. Allez, on se l'échange. Waouh. Sachez les enfants qui a partagé sa carte de visite est un signe de respect. Et nous un signe de marchandise, enfin de d'argent. Voilà. Enfin, si peut-être. Comment? Comment t'as osé me parler? Ouais, c'est vrai. Ouais, tu te calmes. Parce que toi, tu te serais trompé. D'abord. Je te crois pas du tout. Écoute, il est mort parce que il n'était pas assez sécuritaire. Voilà. Ouais, c'était le sang de lui. Oh, mon Dieu, une nouvelle phrase. Oh, ce pas si vite m'a choqué. Waouh. Putain, je suis encore choqué là. Ils ont mis une nouvelle phrase. Waouh. On va pas être potes. On va pas être potes. On va tellement pas être potes. Oh là là. Oh là là. Ah, ça me du cul, ils sont tous en train de bouger. Arrêtez de bouger. On va tellement pas être amis. On va pas du tout être amis. Je vais te défoncer les dents. Rapidement. Ah bah écoute, hein, Interpol. L'inspecteur détective, il est justement à côté de moi. Bien joué, ces camarades. Hein? Oh, le pauvre gars. Ah bon, tu ne sais pas. Je crois qu'il cherche à me mettre dans l'embarras, pour rester dans les termes simples. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est... Voilà, c'est mon assistant... Non, pas vraiment assistante, en fait. Disons que... voilà. Oh, comment ça suce très très fort. Ça parle tellement mal. Ouais, calme-toi. Ouais.
Génial, tu me l'as énervé. Tu me l'as énervé. T'es heureuse? Non, à peine. C'est une excellente idée, Benjamin. J'en sais rien. Et là, je vais de faire en sorte que il me cède l'agent Long, qui était très classe au début, me rendre mon affaire et me parle le mieux. Vraiment. Non, pas du tout. Non, je suis très fermé d'esprit. Oui, tu es le voleur, blablabla, tu n'as rien volé, je te l'ai dit. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? La renommée, la dignité. Oui. Ça devient très sérieux quand tu l'as dit. Oh, flashback. Numéro 2. Mais un vrai flashback. Waouh. L'info à chaud. Gros journal. Avec la matinale et poulet attaché. Je vous jure, je lis poulet attaché. Ouvrez vos chakras, vous lirez poulet. Voilà, poulet attaché. C'est comme le canard enchaîné. C'est drôle. Alors, corbeau à trois pattes. Putain, c'est mal écrit. Waouh. J'espère que non. J'espère que c'est une blague. Ah. Richard. Richard. Tu es en... Putain, c'est bon, t'as des oreilles vachement longues. Pourquoi tu... C'est des billets de banque. Oui, c'est des billets de banque, d'accord. Ok. D'accord. Ah, d'accord. Donc c'est lui qui lui a payé son voyage. De ce que je comprends. Je comprends mieux maintenant. Disons que ça... Ouais. Ouais. C'est un vieil homme, c'est Richard Machalet. Pour le moment, non. Mais... Ah! Ah oui, évidemment, la traduction, nous sommes en euros et non en yens pour le Japon et en dollars pour le... pour les États-Unis. Pour... Oui, je reconnais, j'ai un peu merdé. Non. Mais je vais te poser des questions, hein, c'est le mieux que je puisse faire. Rappelle-moi tout, dis-moi tout. Là, quand même, on est sur des révélations d'un père qui perd son fils. Et en fond, on a une petite musique très joyeuse. Ça pourrait m'aider sur où est-il allé ? Et sur des détails. Waouh, 21 ans.
Benoît? Benoît l'évêque. Waouh. Alors ça, faux spoiler, c'était un message. Alors, je vous demande juste une petite seconde de temps parce que c'est un petit message important. Parfait. Non, message un point important, ce n'est pas grave. Alors, mon majordome. Waouh. Incroyable. Peut-être. J'ai dit peut-être. Bon. Je suis en place de l'infection maintenant. Sac à merde. C'est parti. Attends, le déclic va être renommé sac à merde. Parce que c'en est un. Non, tu vas arrêter, on n'est pas dans un mariage. C'est pas pour toi que je le fais, c'est pour moi. On m'a volé mon enquête. Et ça, je ne supporte pas. Toi, tu vas ailleurs. Et c'est parti pour la deuxième enquête. J'en sais rien, justement, on va t'en regarder. Oui, nous allons tout retourner. Ah, bonjour. Ah, c'est le chef de la police. Ok. Je ne sais pas. Non, il traîne ce que merde. Waouh. C'était... moyen drôle. Tu n'es pas mon assistante. Ouais, sur dans le vent, tu l'as volé parce que sur le papier. Oui, t'as des méthodes incroyables. Ah, allez, salut. Oh, mais pourquoi? Oh, pourquoi les gens sont chiants? Police. Mais. Tant pis. Ça va le chat? Ça va le chat? Le chat? C'est ça un chat? Ah, il n'y a même pas de blague sur le chat. Oh. Police, bonjour. D'accord, bon. Alors, il y a plein de traces de pas, hein, ça se voyait à beaucoup. Ah, il y a trop d'empreintes. Je sais pas où elles vont.
Merci. Ah, tu es mal tombé. Quel rapport? Je peux pas entrer? Des tonneaux. Et oh là, il y a un cactus. Waouh. Un cactus. C'est... Waouh. Ah, je n'ai pas de souvenir. Salut, toi tu es... Le lutin bleu. Le lutin bleu policier avec deux ceintures. Attention, ça rigole zéro. Qu'est-ce? Oui, photo? Ah. Ah si, photo. Waouh. C'est palpitant. Bah oui. Oui. D'accord. Oh mon Dieu, c'était un homme. Je t'ai déjà vu quelque part. Comment tu t'appelles? Voilà, ballot. Ok, oui. Oui ou non? Ouais, je sais pas trop. Alors, Bill, comment vas-tu? Waouh, c'est un rôle important. Ah, créer des souvenirs pour les petits enfants, c'est sûr. Ah ouais, par contre, va falloir revoir ton projet professionnel. Parce que... Waouh. Waouh. Ouais. Ah bah, dommage. Ah, zut alors. Oh, quel dommage, Bill. Mais dis-moi, ce costume de lutin bleu est moche. Pourquoi tu portes? C'est ton travail. Ouais. Ah, c'est une idée. Il a juste pas choisi la bonne personne, mais c'est une bonne idée. Du coup, t'as trouvé des trucs? Tu partages? Ah bah en une heure, il s'est passé des choses. Waouh, c'est bien. Oh, vas-y, hey. Ah. Évidemment. Il me connaît bien. Mais il me cache des trucs. C'est parti. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui. Oui. Ok, tu mens. Un lutin bleu. Oh, un lutin bleu. Ah oui, les gars, c'est vrai.
C'était la tête. Ouais, d'accord. Non. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Laissez-moi réfléchir. Ok. Réfléchissons. Ok. Ok. C'est ça. Je suis sûr, c'est ça. C'était ça. Je le savais. Arrête de parler pour rien dire, par contre. Regarde bien. Tu le vois. Et oui. Oh là là, c'est une... Waouh. Oh. Un indice important que tu viens de me... dire. Voilà, donc en fait tu n'as servi que ça. Alors ça rame du cul, c'est normal. Waouh. C'est fou. Bam. Et là il y a un policier. Et merde. Dans ça, il est temps de faire une corrélation. Peut-être que c'est en rapport avec des costumes et qu'un deuxième lutin bleu a été aperçu. Cela sera une corrélation. Oh, et puis c'est ça. Oui. Putain. Réfléchis bien. Réfléchis bien et vite. Oui. Possible. C'est possible. Écoute. Dans ce cas. Cela expliquerait. Qu'il va falloir voir avec les jeux de chaussures. C'est tellement ça. Faut prendre la pointure des costumes. On peut lire ça. Il va falloir les retourner les voir. Vite, allons-y. Oh, je peux courir. Oh, il y a de l'action. Voilà, c'était 3 secondes d'action. Alors, voyons. Moi aussi, ça rentre dans cet endroit. Ah, vers l'ouest. Ah. Et c'est normal parce que il y a du bois, du parquet. L'autre jeu. L'est. Donc là-bas, encore, et c'est ballot en fait. Mais te fous pas de ma gueule. Oh, voilà. Oh, elle a fait middle. Elle fait deux coups middle. Incroyable, middle kick. Ah, le garage, ah bah oui, tiens. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Un cadenas! Ah non. Oh. Ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il? Deux lutins mobiles ont été... Oh putain, qu'est-ce que c'est? Il y a un mort.
Tu m'étonnes. Ah. C'est... Pardon. Ah. Vite. Alors, je dois trouver ce qu'il ne va pas. Ouais, je le pense. Regardons un peu plus. Ouais, ça se tient. Je pense à l'abdomen. Du côté légèrement sur la gauche. C'est fou. Voyons. Non, ça c'est une voiture. Tiens, qu'est-ce qu'il porte au cou? Oh, la ferme. Un cheval. D'accord, tu le touches, je t'en fouine. Ah. Ah. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, oublie ce que je viens de dire. Il y a quelque chose juste ici. Étrange. Joli ricochet. Oh, on dirait la mort de Kennedy. Ouais. Y a pas assez de sang. Ah, tiens, tu as une main fermée. Non, la main là n'est pas suspecte. La blessure par balle alors. Non. Mais il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Le bras, le pantalon. Non, tout est clair, ça c'est la blessure. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Oh, c'est bien ça. Alors, Benoît Lévesque, 50 ans. Autopsie en cours. Les recherches préliminaires indiquent un impact verbal. Entrée, sortie. Voyons. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est son pendentif, on est d'accord. Son pendentif n'est pas à lui. Enfin, je suppose. Rappelle-moi ce qu'il y a dessus. Loïc en bébé, oui. Est-ce qu'il y a une logique à faire? Non. Ah, je bloque. Attends, réfléchis. Réfléchis. Si, c'est ça. C'est obligatoirement ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Ok, c'est bon. Oui, voilà, oui. Mais j'avais... Moi, je voulais son profil. Oh, c'est une information importante. Notons-le dans notre carnet d'informations importantes. Cette enquête est terminée. C'était trop bien, on a juste découvert un meurtre. Hein, madame? Vous êtes... Est-ce que vous êtes la waifu de cette affaire? Ou de ce jeu? Noémie, parfait.
J'ai rien compris. Oui. Ah! Mais misérable. J'ai ri très fort. Non, à peine. Par contre, t'as une énorme bague au doigt. C'est très flag. C'est un peu beaucoup. Elle est énorme. Non. Non, vraiment. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Et donc? Oui. Tu as un pansement sur le bras gauche? Oui, je m'intéresse à des détails. Les monologues, c'est avec, c'est en bleu normalement. Oui, je pense aussi. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a trouvé un cadavre. Mon Dieu, c'est Cameraman. Salut. Oui. Ouais, incroyable, n'est-ce pas? Voilà, tu as un cadavre sous les yeux. Ah! D'accord. Ah bon, d'accord. Tu t'en fous, très bien. Tu es une personne vraiment sympathique, écoute. Ah, je t'assure qu'on va pas du tout être copains. Mais... Ah, pas du tout. Ah, c'est pas faux. Même pas toi, alors. Ah bah oui. Je ne suis pas d'accord. Mais je vais t'en prendre une. Je vais t'en mettre une plutôt. Ah il... Ça y est, il est PTDR. Waouh, des vraies phrases incroyables. Oh, il veut jouer. Ah, c'est parfait. Oh, montre-moi ta théorie de l'emmerde. Ouais. Oui. Ouais. Ah, d'accord. T'es allé en poil vite, mais... Pas mal. Oh, c'est une philosophie... une philosophie, oui. D'ailleurs, je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur un truc. Ah, tu sais, je connais un pote, hein, un avocat de la défense... Il avait un fort goût pour se frotter à des gens qui étaient bien plus puissants et bien plus haut placés que lui, et bah il a réussi à les foutre en tôle. Oui. Oui. Waouh. Et paf.
Oh la vache, qu'est-ce que ça fait mal. Quand tu veux. Ah mais moi je suis chaud de ouf. Ah mais que tu me réfutes comme ça. Je suis profondément choqué. Ouais, ça je m'en fous. Ça je m'en fous aussi. Ça par contre, un peu moins. Ça parce que... Explique-moi comment tu raisonnes, hein, parce que je ne comprends pas. Non, quand même. Ah bon? Quoi? Comment tu peux me le dire? Waouh. Alors, vas-y. Oui. Ah, oulala. Ça s'annonce mal. Ah. Oui. D'accord. Waouh. Waouh, des grosses preuves. Ah mais oh, grosse accusation là. Attends, je vais réfuter ta merde. Parce que là, je crois qu'on a un problème. Objection! Parce que tu te fous de ma gueule. Très très fort. Bah, regarde. T'essayes de te défendre physiquement là. Sur des mots. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Aïe, il est pété les airs. Ouais. Vas-y, dis-moi tout. Ouais, explique. Ah, mon bouton! Mon bouton! Merde! Manette, manette, allô? Manette! C'est bon. Je sais pas. Obligé. Il avait des gros yeux, c'était ouf. Alors. Bien. D'accord. Ouais, mon plan. Alors. Porte principale. Mystère de l'Ouest. Ok. D'accord. Attends, tu avais dit pardon? Lutin mobile? J'avais pas bien compris. D'accord. Oh, première chose nouvelle. Mouais, mouais, mouais. Que tu peux arrêter de taper en majuscule, s'il te plaît. Voyons voir, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas.
Mais attends. Non, 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 pas celui-là. Ouais. Ouais. Je suis pas bien certain de ça. Parce que la lutin mobile bleue, comme tu le vois, elle est dans le garage. Tu te fous pas de ma gueule là. Un peu quand même. Objection. Il s'est complètement foutu de ma gueule. Je vais te mettre des tartes. Ah bah... Oh putain que oui, tu mens. Ah, oh, voilà. Voilà. C'est ouf. C'est incroyable. On se demande pourquoi. Ouais... Quoi? Mais c'est pas vrai. Ah! Ah mon dieu, il n'est pas d'accord! Moi? Est-ce que tu as une preuve? Ah ouais, donc t'es vraiment certain que c'est lui? Putain, tu me choques! Je pointe du doigt, tu attends. Laisse-moi pointer du doigt. Peut-être que tu tends le bras, mais moi je pointe du doigt. Je n'ai aucun respect. Waouh. La vérité et la cruauté, tu confonds les deux, putain. C'est incroyable. Insulté devant tous tes potes. Ah, il y a la sécurité. Oh là là, ça a mal se passer. Ah, parfait. Oh, je vais tout de suite aller voir la police et régler ce petit problème. Tu vas tellement prendre mal. Je te jure qu'avant la fin de la résolution de cette affaire, tu vas prendre cher pour ton grade. Pardon. Pardon, j'ai mal entendu. Comment ça? Ah ouais. Ah ouais, il est comme ça. Ok, bon. Alors, je n'aime pas ce personnage qui au début était pourtant classe avec des... Cette impression qu'il tenait vraiment aux personnes, et en fait, c'est un énorme enfoiré qui a et beaucoup de préjugés. Les préjugés, c'est mal, les enfants. Les préjugés, dites non aux préjugés. Ah! Je n'aime pas ce personnage, voilà. Et je suis choqué de ce qui se passe et de ce qu'il pense. Je m'insurge. Je ne suis pas content. Du coup. On va s'arrêter là pour cette première partie qui aura duré une heure et quelques quand même. J'espère que vous avez bien pris une petite boisson chaude ou un petit truc. J'espère que ceci vous aura plu donc. Comme d'habitude, si cela vous a, si vous avez aimé cet épisode incroyable de Benjamin Hunter, je vous invite à liker la vidéo, bien sûr, à la commenter sur ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous pensez du jeu. À vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et à me suivre sur le Twitter où je poste des messages où je suis le plus souvent présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.